Il est de relâcher les épaules, travailler cette hanche-là, hanche intérieure qui va rentrer comme pour un athénie. Je pose ici sur la hanche et je descends. Un travail qui va se faire dans le même sens, toujours. Ici, le relâchement qui permet de se positionner dans un contrôle de l'axe. Contrôle de l'axe, la hanche rentre, bien contrôler l'axe, l'autre hanche et sa descente. En bras, même chose, je viens relâcher, je rentre ici et cette fois-ci, cet axe que je contrôle, je viens enlever mon support arrière. Travail de la hanche extérieure cette fois-ci, au lieu de ne travailler que sur la hanche intérieure. Relâchement, je rentre ici, et là c'est cette hanche-là qui s'en va. On va retrouver ensuite ça dans tous les mouvements. Ici, relâchement, la hanche intérieure travaille. Ici, relâchement, l'axe est pris, le contrôle, Irénée, je rentre. Là, Irénée, j'ai pris le contrôle de son axe, j'ai plus qu'à travailler avec la hanche intérieure. Faire le même travail, en travaillant cette fois-ci Irimi, je vais travailler avec la hanche extérieure cette fois-ci, cette hanche-là va s'en aller, hop, et cette hanche-là va s'en aller envers l'extérieur également. Travail de hanche extérieure, Irimi, j'ai pris l'axe, j'enlève ma hanche, Tenkan, je reviens là, j'enlève ma hanche. Là, pareil, je relâche. Là, je viens ici enlever l'hanche. Et là, côté Gaichi. Travail de hanche extérieure. Là, hop, c'est enlevé. Contrôlé. Ici, travail de hanche extérieure. Ici, travail de hanche intérieure. Et ici, travail de hanche extérieure.